Lui aussi, on l'a trouvé en prison. Vous savez de qui il s'agit. Évidemment, c'est Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau qui désingue l'info. Tanguy, de tout temps, il y a eu des fous, mais de tout temps, il y a eu également du porno. Oui, ainsi, dans la grotte Chauvet, on a découvert des dessins datant de Cro-Magnon, époque des débuts d'Albert Algou, représentant un sexe féminin appuyé contre une tête de bison. Hein, les fantasmes étaient spéciaux. C'est comme si dans L'Amour et dans le Pré, Jean-René, un candidat, disait à la dame qu'il est sélectionné « Désolé Rosine, finalement je choisis Marguerite, ma vache charolaise, parce que quand elle me gratte le bas du dos avec sa corne, je suis à deux doigts de l'extase. » Du temps du Minitel, il y avait les 36-15 porno. Hein, on voyait des dessins de femmes composés de petits carrés. Ensuite, on associait tout ce qui était cubique à du X. Dans une expo Picasso, on était hyper excités. Et si un pote sortait des apéricubes, on se disait « Oh mon Dieu, c'est un message, Didier veut mon corps !» Puis, il y a 20 ans, sont arrivées les stars du X. Julia Chanel, Zara White, Katsuni. C'était des pseudos, bien sûr. Tabata Cash, par exemple, s'appelait Céline Barbe. Mais si elle avait œuvré sous son vrai nom, en la regardant, on aurait eu en tête l'image de l'abbé Pierre. Et à part 2-3 humanitaires fans d'Emmaüs, personne n'aurait atteint l'orgasme. Enfin, le X s'est déplacé sur Internet et là on a accès à des millions de vidéos diffusées par des sites qui font en un jour plus de brosouf que toute l'industrie albanaise en 100 ans d'activité. Le souci c'est que du coup nos enfants peuvent aussi voir tout ça, hein, parce qu'il y a en tout 16 parents dans le monde capables de configurer le contrôle parental. Si en plus ils le font le jour où ils doivent monter une commode Ikea, avant 15h ils se suicident dans les champs à radis bourrés de glyphosate. Une étude sérieuse, hein, explique que les gosses dès 6 ans sont confrontés au porno. Alors que moi à 6 ans, j'étais juste confronté à la chanson « Papa Pingouin » de Sophie et Magali. Aujourd'hui, un enfant qui voit le clip se dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il n'y a même pas de plan à trois. Et ce con pingouin, à cause de sa fourrure, on ne voit pas son oui-oui. » Une autre étude menée par Symantec, société d'informatique, tout ça est véridique, hein, a analysé les recherches des 10-14 ans sur le net. Hein, donc, il y a Soprano, Omar Sy, Daniel Morin. Non, je déconne. Et en quatrième position, sexe. En sixième, porn. 26e, boobs. 27e, recherche, c'est j'ai un bout de frite coincé dans mon appareil dentaire, comment faire ? Et 28e, poussi. C'est-à-dire que le X s'est totalement infiltré dans le monde des enfants. Hein, quand ils voient la parade Disney, il y en a un sur deux qui pense que ça va finir en partouze. Tandis que certains disent qu'avant, le porno s'affichait sur les magazines et que c'était pareil. Oui, et en voilà un argument à la con. Parce que moi, j'ai fait ça à 14 ans, acheter Hot Vidéo, la couverture avec Samantha Fox en soutif trop petit pour elle. Toute sa vie, elle s'est fait arnaquer chez Etam Lingerie. Mais j'avais honte. Donc je glissais le truc au milieu d'une pile de VSD, Paris Match, Nouvel Obs, Géo, Astrapi, Télépoche. À chaque montée de cèpe, j'en avais pour 250 francs, ça m'a vite calmé. Hein, c'est comme le tabac aujourd'hui, 10 euros le paquet, tu réfléchis. Tu te dis je fume pendant 5 ans ou je rachète le PSG au Qatar. Donc là, les kids, à l'entrée d'un site porno, il y a juste marqué « Cliquez si vous êtes majeur ». Quel préado va se dire « Autant pour moi, je n'ai que 14 ans, je vais plutôt aller sur le site du magazine Phosphore, consulter le guide des métiers ». Bien sûr, ils y vont. Et dans leur chambre, qu'on leur a décorée 10 ans avant, on a mis des peluches, et bien ils se tapent tranquillement toutes les catégories de YouPorn, hein, mature, rasé, anal, gonzo et interracial. Hein, ça c'est comme une pub Benetton mais sans pull. Et les psys pour enfants, c'est véridique, disent c'est aux parents d'expliquer très tôt le porno aux enfants. Le truc facile quoi, hein. Tu t'assieds avec ton fils de 6 ans et tu lui dis tu vois Tic et Tac, bah il y a la même chose en plus chaud, c'est Jackie et Michel. Alors moi je sais que si un jour mon fils me dit papa, mon astre, mon modèle indépassable, je suis allé sur internet, c'est quoi une double peine, mais je suis capable de lui répondre, c'est une grosse ration de pâtes, mon loup. Bref, à part en Corée du Nord, où le seul site accessible est le www.kimjongun.com, nos enfants surfent sur des sites de X, où en plus, dans 100% des cas, la femme est définie en tant que pur objet sexuel. Hein. Même quand elle parle, elle dit « prends-moi comme une chienne », jamais on entendra un mec dire « je vais te faire l'amour comme si j'étais un labrador sable ». Tout ça pour faire tourner un business, parce que le porno, c'est juste une industrie énorme, et les anticapitalistes, on les entend pas. Hein. Ils sont prêts à pendre François Pinault avec le colon de Pierre Gattaz. Mais les gros dégueux qui font leur beurre en mettant en ligne des scènes à 14 que matent nos gosses, eux, tout le monde semble... Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'était Tanguy Pastureau. La bande originale. Sur France Inter.